Salut les gars, bienvenue à tous sur la chaîne de Only the Case. Merci. Aujourd'hui, petite vidéo. Yes, I. Sur la voix off de Mademoiselle. Mon youtubeur préféré. Non, s'il vous plaît. On s'y connaît pas. Voilà. On s'y connaît pas en make-up. Moi, je connais que bon, les Beauty Blender, éponge là. Ouais, c'est pas les anti-cernes et mascara. Bon, c'est tout. Fenty Beauty, hein. Moi, je connais que la marque Fenty Beauty. D'ailleurs, si tu vois, passe par ici, Rihanna. Je connais que ta marque. Que je t'aime. Voilà. Moi je connais que sa marque, donc après vraiment le reste je maîtrise pas du tout. Donc, faut pas nous critiquer s'il vous plaît. Doucement. Nous déjà parce qu'on voit venir les gens là. Bah oui, doucement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer je mets. C'est quoi ça? Une anti-cerne, non? C'est Hyderance Silicone Primer. Ah, c'est un primer. Genre, ça sert à quoi? Attends. C'est qu'on applique au niveau des joues, sur les fronts et sur le nez. Et bien sûr, sur le menton. Voilà. Hein? Donc, voilà, on éparpille ça un peu. Et voilà. Pour illuminer les teints. Voilà. Donc, quoi ça? On prend les pinceaux fins. Voilà. Il y en a aussi sur un. Primark, AliExpress, c'est pas cher. Alors, je vais venir mettre ma poudre des Kiko Milano. Voilà. Ah, c'est pour les sourcils. Là, tu fais déjà. Non, c'est pour remplir. Un peu. Je te donne la poudre. C'est, en fait, je crois que c'est pour les sourcils. Voilà, pour donner un petit fond noir. Là, je mets du concealer de la marque Bondi Sway. Je mets du chestnut. Ça, c'est la couleur de du teint. Chestnut. Voilà, on l'applique juste en dessous du sourcil. Hein. Tout doucement. Hein. Voilà. Pour apporter un peu de couleur. De fraîcheur. C'est là. On éparpille ça un peu partout. C'est pas méchant. Et on n'oublie pas d'estomper à la fin. Ah oui. Eh, hey, ceux qui estompent pas là, faut arrêter ça les filles. Voilà, on voit la différence entre le front et... Oh non, ça c'est pas bien. Si c'est comme ça, tu fais pas. C'est technique, hein. Voilà, c'est technique. En fait, c'est vraiment un dessin, tu vois. Il faut avoir la main. Une seule erreur et puis vous allez l'assumer. Oui, parce que c'est... Attention. C'est quoi ça? C'était quoi? Je sais même pas. C'est la même chose, wesh. Non, je crois que c'est la même chose, mais genre en mode plus foncé. On dirait. Elle a triché, là. Voilà. Ah, voilà, comme on vous a dit, il faut estomper. Un peu de... Avec le gros pinceau. Pinceau taille 58. Voilà. Je sais même pas c'est quoi la taille. Il y a deux tailles pour toi. Il y a deux tailles, je crois. Faut punir. Ouais, c'est le pinceau. Vous avez vu comment elle fait? Elle étale bien ça. Vraiment, elle... Et elle en met bien au niveau des sourcils pour cacher que ce soit pas trop net. Voilà. Ça c'est trop matte light. Elle met trop match. Le L'Oréal barrière. Sur le visage. Vous en mettez bien une tonne comme ça. Je sais même pas si c'est beau. De préférence une couleur qui va bien avec votre teint. Ah oui, là, nous mettez, choisissez bien, faut bien choisir. Pas des couleurs trop vives, trop foncées non plus, voilà. T'as si couleur en fait. Ouais, dans un temps, tu sais. T'es dans les 10 toi. Ouais, tu sais, par moment. Oui. Un goya. On estampe toujours, hein. Voilà, on essaie d'étaler un peu partout, hein. On applique à ça. Vraiment, faut bien estomper. Vraiment, en vrai, des vrais, on estampe tout le temps. Oui, depuis tout à l'heure, il estompe. C'est encore un concealer. C'est la. C'est pas le même que tout à l'heure. Face, mais si, c'est le même que tout à l'heure. Ouais, du coup, je réapplique le concealer sur le. Attends, on va voir où elle va mettre. C'est le même. Sur le bas des yeux. Voilà. J'en suis sûr, ça a un nom, le bas des yeux. Sur les cernes, voilà. Pour cacher un peu les cernes, hein, voilà. Ah, bah c'est de l'anti-cerne, ça veut dire. Non, c'est pas de l'anti-cerne, mais on peut l'utiliser comme. Donc, toi, t'es renseigné. Hein. De temps en temps. J'applique le fixateur sur mon visage. Voilà. Faut pas que ça coule, c'est clair. Voilà. On étale toujours, hein. Très important. Ça brille beaucoup. C'est le but. Niveau dîner. Tout en forme une petite ligne, hein, histoire que. Pour illuminer votre zone T. Voilà. C'est ça la zone C, il faut que ça brille. Tu connais, vas-y, j'ai bien l'esprit. Vas-y, j'y connais pas. Mais dans tous les produits là, c'était lequel le fond de teint au final? Moi je vois pas ça, hein. Il y en a, ils disent pas trop aussi le fond de teint. Dites-moi en commentaire c'est quoi le fond de teint parce que non, c'est vraiment nous on sait pas, hein. Ah, on vient encore une fois estomper. Yeah. Alors, mais comment Fenty Beauty, c'est la poudre je crois ça. C'est quoi?
Honey Pro Filter. Attends, c'est de la poudre. Je vais mettre de la poudre avec mon Beauty Blender. Sur, c'est ça le Beauty Blender. Blender. Voilà. Ça, c'est bien. Là, on a mis la poudre sur l'intégralité du visage et je prends ma palette de chez Bitché. Hein? Une palette assez garnie. Palette seulement. C'est garni. Je vais appliquer le man-made avec un pinceau moyen, ni fin ni grand. Voilà, juste sous les paupières. Hein. Bon, là, elle a mis. Je mets du fond de teint encore. C'est le même truc que tout à l'heure. Wesh. C'est du fond de teint. Fond de teint encore. Fond sur les paupières. Oh, mais moi je sais pas. C'est le truc de tout à l'heure, le truc clair là. Deuxième palette encore. Ah oui. Voilà. Je crois que c'est les glitters. Je crois. Tu vois les trucs font briller là sur. Rien à voir. Voilà. Trompé là. Rien à voir. Trompé là. C'est pas ça. C'est vraiment technique. Hein. Ça c'est l'eyeliner. Kiko. Voilà. Hein? Continue là. Histoire d'avoir un regard un peu plus sévère. Mm-hmm. Voilà. Et on fait ça tout en finesse. Voilà. Pour ne pas dépasser. Voilà. Faut avoir la main, hein. Faites attention, faut avoir la main. Si vous faites une erreur, ça là. Faut effacer tous les make-up et recommencer. Franchement. Tu peux tomber. Ah oui. Avoir le mode ermite de Naruto, ça va faire du bien. Waouh. Mascara. C'est un mascara ça? Ah ouais. Oui, ça c'est un mec chaud. Mascara. Ah bon? Là, pour lever un peu les. Le cils et donner un peu plus des. Y'a des biches comme ça. Y'a des biches. Ah là, elle met des fossiles. Ouais, des fossiles. Pourquoi elle met du mascara dans ce cas-là? C'est pour atténuer le regard. Mais si tu mets des fossiles, ça sert à quoi? Bon, dites-moi en commentaire. Si vous savez pas aussi, vous dites pas. Donc là, voilà. On estompe. Et on va encore mettre de la poudre pour que ça brille moins. Je pense. Cacher les traits. Et je vais mettre mon Huda Beauty. C'est Dan. Voilà. Ah, c'est ça les trucs qui brillent. Highlighter, voilà. Ça s'appelle de highlighter aussi. Heureusement, on l'oublie. Moi, j'allais dire vraiment liner. Rien à voir. Et je vais en mettre aussi sur mon front. Pour l'éliminer. Je crois qu'elle va faire sur la zone T aussi. Si je suis un mec chaud, si elle le fait. Elle va le faire, on est obligé. Ah bon, on vous a dit ça. Ah oui, et au fait, on met aussi ici là. Ici pour briller. Comme ça, ça unifie aussi. Bah oui, pour former qu'un. Mais après, ça dépend aussi. La plupart du temps, elle met aussi sur le torse. Elle a mis. Même aussi sur le torse, la plupart du temps, ça dépend quel t-shirt. Vous voyez si ça brille. Moi, je vois pas, mais bon. Moi, je crois que c'est ça, non? Moi, j'ai pas vu, hein. Si vous avez vu, dites-le. Mais c'était pas ça, hein. Genre comme ça brille pas, tu dirais, je suis en voiture. Tu vois, mais j'ai trop de trucs, abuse pas, c'est quoi? Parce que ça brille comme ça, moi je me rappelle pas quand ça brille, mais ça sur le front. Non, je crois que c'est pour assombrir, genre. Ça, c'est une touche de finition. Voilà. Ouais, les gars, c'est moi, on est dépassé là. En fait, oh là, il y a trop de trucs. Moi, je vais commencer, c'est seulement vous, hein. Moi je suis encore là. Là, je vais. Oh, encore! Mais là, pour terminer, c'est la touche finale. Et c'est là, ça va. Voilà. Oh. Ah, là, c'est le truc qui fait rougir là. Voilà. Donner des couleurs à la joue. Voilà. Après encore les fixateurs pour fixer. Voilà, ça bouge pas. Voilà. Comme ça si tu vas dans l'eau, ça bouge pas. Voilà. Tu vas dans les toilettes, ça bouge pas. Ton mec qui t'a quitté, ça bouge pas. Très important pour l'éther. Très important pour l'éther. Ah pour voilà, c'est ça. Ça brille. À l'éther. Ça brille pas. Jamais. C'est l'éther. C'est ça en fait. Encore le mascara, mais au niveau du bas des yeux maintenant. Le bas des cils. Ouais, là, mais le Fenty Beauty, ça c'est le gloss, c'est des Rihanna. Ah oui. Et voilà. Nagoyo. Voilà. Là, donc là, admirez la serre, elle est vraiment taurose. Machin, la voilà. Taurose. Mais pour la Belgique, voilà. Voilà, attends. Là, elle va dire un truc là. Attends. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on vous aime. Que venons ensemble. Prochaine fois, c'est ça la main. C'est ça la main. Soyez indulgents dans les commentaires, on ne s'y connaît pas du tout vraiment, en termes de make-up. Vraiment, on a essayé de faire comme on pouvait. Bon, on voit déjà les gens venir nous juger, donc
ils s'y connaissent mieux que moi, vous avez bien pu le remarquer. C'est un mytho, il fait ça. En retrait, tout ça. Juste, on va caler ça, bon. Juste ici, Instagram, @ Jacques Ner. Instagram. Captain, ajoutez. Non, de toute façon, on est ensemble, hein. Vous me savez déjà. Vous me verrez peut-être prochainement dans d'autres vidéos, mais. Hein, de toute façon, retenez seulement cette vidéo. Check, c'est pas pareil. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous. Thanks.